ça va? Donc aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, enfin, ça faisait super longtemps. Donc c'est une vidéo pour mon anniversaire, en particulier l'ouverture, le déballage, la présentation, tous des cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus, enfin. Donc aujourd'hui j'ai 15 ans, voilà, pour celles qui demanderaient. Je vous propose que l'on fête ça dignement ensemble. Voilà, ça c'est fait. Alors oui, j'ai une attelle, n'y faites pas attention, je me suis cassé le doigt, très très mal. En plus c'est le petit doigt, le doigt nul. Donc, j'ai les colis. Alors c'est des colis qui proviennent du Stepsy. Il y a trois destinataires différents. Non, c'est pas destinataire, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Les colis proviennent de trois vendeurs différents comme vous pouvez le voir. Donc il y a tout d'abord Cool Cat. Voilà. Ensuite il y a... D'accord. Et après il y a... Voilà. Tidal Shop ainsi que de Fairyland WT. Alors malheureusement je ne saurais pas les différencier parce qu'il n'y a pas marqué le nom de l'expéditeur. Voilà, donc c'est triste. Alors sans plus attendre, on va déballer tout ça parce que j'ai vraiment hâte de voir le résultat en vrai. Alors c'est parti, on va commencer par le colis de Cool Cat. Alors on va juste simplement ouvrir l'enveloppe. Waouh, elle est trop mignonne. Donc c'est une petite salopette comme vous pouvez le voir. Donc elle est en bleu jean assez foncé. Voilà. Donc elle est taille pulli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la commande, je pense. Ensuite, donc je vais ouvrir celui-ci. Ça y est. Donc attention. Pose les ciseaux à chaque fois. Alors. Waouh. On voit rien. Donc là, ah si, on peut apercevoir le petit sac en forme de théière. Franchement, l'emballage, rien à dire. Comme vous pouvez le voir, c'est super bien, même la petite boîte. Et la petite robe. Voici la petite robe. Elle est avec un motif de fleurs, des jupons, un petit nœud, enfin je la trouvais très très jolie. Et ensuite donc le petit sac en forme de théière que je trouve juste adorable. Donc voilà, il est bleu ciel, les détails, les finitions, il a l'air top. Je vais direct ouvrir. Waouh, trop 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 mignon je trouve. Et ensuite la robe. Je change de plan comme ça, on peut voir quelque chose de mieux que des mains. Même si c'est pas mieux, vraiment. Ouf. Donc, déjà, on ouvre, il y a des papiers bulles. Je trouve que ça a été assez rapide, hein, parce que ça met 2 semaines, ça vient d'Hong Kong, de Chine, et un autre qui provenait d'Espagne. Mais il n'est pas arrivé. Bon, voilà. Donc il est plutôt bien emballé. Voilà, parce que le carton, lui, il est totalement totalement détruit, mais ça, ça reste bien. Et ensuite, donc on a un tout petit sac sachet transparent avec des petits un lapin et un petit truc. C'est très bien. Et à l'intérieur, chaussure était protégée. Pour de petites boîtes. Alors ce sont des chaussures juste magnifiques. Je n'ai jamais vu des chaussures aussi bien réalisées. La finition elle est parfaite. Enfin, elles sont sublimes je trouve. Donc j'ai commandé une petite paire, une imitation botte Fury Hug, sans doute courte. Et ensuite une paire de talons avec des petits diamants dessus blanches que je trouve juste sublimes. Voilà. Il n'y a rien à dire, je trouve les chaussures, elles sont magnifiques, très 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 bien finies. Bon, par contre, elles coûtent assez cher. Waouh, c'est incroyable, j'avais déjà commandé des chaussures chez eux, elles étaient trop trop belles. Je reconnais la petite couronne en fond, sur la semelle. Et ensuite, je vais déballer les fleurs. Bon, c'est un peu le printemps, mais c'est pas grave. On va leur mettre quand même. Je vais vous montrer avec ma main, sur ma main. Je sais pas si vous arrivez à voir. Là, je viens de voir aussi que dans le colis des chaussures,
on nous a donné des petites barrettes pour nos dolls. Donc, trop mignon, j'aime beaucoup l'attention. Cette salopette provient du vendeur Hello Cool Cat et elle m'a coûté 26,90$. Voilà, donc ça fait à peu près la même chose en euros. Cette robe provient du site Escadale House, donc elle a le jupon que l'on peut enlever si l'on souhaite avec un petit nœud. Elle m'a coûté 14,60€. Dans la même boutique, j'ai acheté ce petit sac théière style Alice au Pays des Merveilles. Il m'a coûté 12,65€. Et on peut même l'ouvrir parce qu'il a une petite fermeture éclair au milieu. Donc voilà, il y a des papiers à l'intérieur pour que ça passe rembourré. Avec une petite bandoulière. Ces deux paires de chaussures proviennent du vendeur Périland WT. Donc la petite paire de bottes m'a coûté 15,57€. Et la paire de talons m'a coûté 17,52€. Et j'ai oublié de préciser, mais ce sont des chaussures taille pull. Voilà, c'est la fin de la présentation ainsi que le déballage de mes cadeaux d'anniversaire d'Olien. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur les produits que j'ai commandés. Je vous mettrai leur lien en barre d'infos si vous êtes intéressé, comme ça vous pourrez directement aller voir. Comme vous avez pu le remarquer, ce sont des produits qui ont coûté assez cher. Voilà, à chaque fois 20€ pour une paire de chaussures, c'est vraiment énorme. Mais leur qualité ainsi que leur finition sont vraiment... waouh, y a rien à dire. Donc malgré tout, je vous les recommande. Je vous remercie d'être de plus en plus sur ma chaîne, c'est incroyable. Vraiment, je suis trop contente. Merci beaucoup. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes câlins et je vous dis à bientôt. Bisous !